Parti quelques semaines après la réservation de mon appartement à Riga en Lettonie, eh bien nous faisons le déplacement à nouveau dans le cadre d'un séjour pour signer la vente définitive chez le notaire. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous mettre par-dessus mon épaule, vous montrer les notaires en présence de mon avocat et des différents experts sur place pour vous montrer comment effectuer une signature définitive, un investissement locatif à Riga en toute légalité et sans se mettre en situation irrégulière. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez apprendre à investir à l'étranger. Et d'ailleurs, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Et si vous voulez apprendre à sécuriser votre patrimoine et à diversifier vos sources de revenus grâce à l'investissement locatif à l'international pour générer davantage de rentabilité, eh bien, allez sur lifeinvest.eu. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est la signature. Ça fait plaisir. Il fait beau. Il fait pas chaud. Je suis avec la reine, comme d'habitude, qui m'accompagne. Ça va se passer en deux coups. Le premier, pour signer la vente définitive, la remise des clés, le transfert d'argent. Et demain, ça va être le registre foncier letton. Étape dans laquelle on enregistre officiellement mon nom en tant que propriétaire. La vente ne sollicite pas de compte séquestre chez le notaire, c'est-à-dire que pour que la transaction ait lieu, on relie d'abord le contrat, on s'assoit avec le notaire, partie vendeur, acheteur, on s'assure que tout soit conforme, et ça a été vu en amont avec mon avocat qui a relu le contrat, qui a fait des modifications essentielles, et c'est à ce moment-là seulement que le virement est effectué sur le compte du vendeur directement. Le compte séquestre, c'est un service additionnel qui est généralement nécessaire dans le cadre d'un investissement avec crédit. À ce que j'ai compris pour l'instant, c'est les banques qui sollicitent ce type de transaction. Donc les transactions entre particuliers, ou bien de professionnels, mais avec un particulier qui achète un bien, une unité, une porte, eh bien ça se fait comme ça, et c'est particulièrement pratique pour l'acheteur étranger, puisque tu te déplaces, tu fais le voyage, tu t'assois autour de la table, tu t'assures que le contrat soit conforme, et c'est ensuite seulement que tu fais le virement. Ou en Estonie, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il faut que les fonds soient sur le compte séquestre du notaire 72 heures avant la signature, ce qui veut dire pour un acheteur étranger français typiquement, qu'il faut virer la somme totale sur le compte séquestre du notaire avant même de s'être déplacé. Bon, c'est une somme qui est sécurisée, mais ça peut ajouter de la friction. Là, c'est différent et j'aime bien. Venant d'Estonie pour signer, j'apprécie de ne pas forcément avoir eu à faire le virement auparavant, avant le départ, et de le faire après coup. Voilà. Allez, on est sur le chemin, on sort du Radisson et je vais essayer de te montrer les coulisses de la signature. Est-ce que ça te plaît jusqu'ici? Fais-le moi savoir en commentaire. Est-ce que tu es déjà venu en Lettonie? Si oui, dis-moi en commentaire. Et comme tu as pu t'en apercevoir, sympathique. Vraiment, vraiment sympa. What do you think of it so far? Good, thank you. Yeah? We're back at it again, yes? Alors, regarde ça, c'est une église? A church? Il fait presque chaud, donc bon à savoir. What was the weather like in Estonia when we left? It felt colder. Okay, I think so it was too. It's hot for now. It was 8 and now it should be at least 12, 14. Yes. Maybe double. Interesting to know. Ça construit. It's 18 today. 18? Yes. Wow, 18 degrees. 18 degrees. Ça construit derrière moi. Wow. 18 degrés les amis, mais je suis couvert moi comme un papa prévoyant. Monsieur le notaire, c'est une première, mais c'est pas la dernière, il me semble.
You will have personal code in Latvia for the future. Wonderful. And if you have any dealings in future, yeah, in Latvia, you can use this personal code. And also get non-resident ID card. Ah, petit arrêt sur image. Je vais partager avec les membres uniquement de Life Invest Heritage l'intégralité, la signature. C'est plus de 35 minutes de contenu exclusif filmé chez le notaire directement. Donc on décompose toutes les parties du contrat, toutes les clauses, comment investir, qu'est-ce qu'il faut verrouiller afin de ne prendre aucun danger légal et que la vente soit bien réalisée, bien ficelée. C'est normal, je ne vais pas donner ce contenu gratuitement sur YouTube étant donné que c'est le résultat, pour ce cas concret, de 16 800 euros d'investi, plus grosso modo une enveloppe de travaux estimée à 3 000 euros. Donc on parle d'un investissement de plus de 20 000 euros et je le mets à ta disposition dans Life Invest Heritage. Pour une fraction de son prix. Je suis sur un business model qui me permet de faire ce genre de choses, justement pour ouvrir cette opportunité à un maximum de personnes. À toi d'en profiter. La suite de l'épisode. Eli, 98,19€ à l'hôtel. Merci la Lettonie. Okay. Expérience 5 sur 5, on a été reçus comme des rois. Et comme promis, je t'emmène demain pour l'étape de l'enregistrement au registre. Sky's the limit, hein? Next is where? Let's see. Let's keep it secret. Ok. En direct du Radisson, on s'est pris une chambre ici. C'est toujours un standard de qualité auquel on peut s'attendre. Toujours un resto en point élevé avec une vue. Moi, j'adore les vues. Et je te montre, là, j'ai un trade d'ouvert. Je suis aussi intéressé par les cryptoactifs, notamment le Bitcoin dans lequel j'ai investi depuis 2017 maintenant. Et qu'est-ce que je fais là? J'ai appris ces dernières semaines à placer des ordres de vente à la baisse et ma théorie c'est que le Bitcoin va baisser. Dans la conjoncture actuelle, ça peut pas aller au-delà d'un certain montant et ouais, le trade est gagnant pour l'instant. Allez, jour 2, on va continuer les festivités et première chose que je fais généralement, c'est que je me connecte sur le compte de trading et comme prévu, ça chute. Ouais, sans grande surprise. Allez, on file au sport, on enchaîne avec le petit déjeuner. Séance de sport bien finie et la deuxième chose que j'aime faire, c'est de regarder sur mon application de gestion d'appartement les chiffres en location saisonnière du dernier investissement qu'on a effectué à Tallinn. À ton avis, qu'est-ce que ça donne? Là, je suis en train de remplir les infos pour le paiement de la taxe de l'État. Et c'est une longue série à mettre en description du virement. Donc, autant te dire, mieux vaut bien remplir. Sinon, tu te retrouves tout simplement pas propriétaire. Donc, une petite erreur, un gros doigt. Relis bien plusieurs fois, double check, triple check.
Tu fais une lecture de gauche à droite, une lecture de droite à gauche, et tu t'assures que les infos soient exactement comme on te donne sur le papier. D'accord ? Ça, c'est pour le prix de vente. C'est bon, les trois paiements ont été faits. Donc là, j'ai les confirmations de paiement sur mon ordinateur. Ce qu'il faut faire, c'est les imprimer pour ensuite les glisser dans cette enveloppe. Et cette enveloppe-là, on va aller avec mon avocat la déposer au cadastre laiton. En temps normal, on peut rentrer dans ce bureau, leur remettre en main propre. Mais actuellement, à ce que j'ai compris, il faut le glisser dans une boîte postale particulière, hein, une adresse précise. Donc je te montre tout ça, ça va être intéressant. La suite du vlog, très vite. Ah, tu vois, je suis au Radisson, là j'avais besoin d'imprimer. Et top, hein, top hôtel d'ailleurs, que je recommande grandement. Juste envoyer les documents à imprimer à cette adresse par email, en pièces attachées, et boum, ça sort automatiquement ici. Je suis en train de monitorer le trade en même temps. Ça se passe plutôt bien, ça continue. Alors je vais prendre un profit à partir d'un bitcoin à 39 500 dollars. Là pour l'instant c'est du 40 400, donc on a un peu de marge à la baisse. Bien sûr, moi je vois le cours baisser ces prochaines semaines, mais on va commencer à encaisser sur ce trade. Je te montre ça tout de suite. Allez, jour 2 et quelle belle journée, hein, honnêtement. Là, on se dirige vers mon avocat qui nous prend en voiture et qui va nous amener au registre foncier laiton afin de déposer l'enveloppe que notre chère assistante est en train de porter. Et on va déposer tout ça au registre avant la fermeture. Alors visiblement, le vendredi, c'est à 15h. Que ça ferme, on a le temps de faire tout ça, et je te montre dans la section suivante à quoi ressemble le building, ou je sais pas, on va voir. Je vais peut-être garder ça pour les membres de Life Invest Heritage. Là, we're with our trusted lawyer, avec notre cher ami Roland. On va déposer les documents au registre. Donc à l'intérieur, on a les confirmations de paiement, un extrait du compromis, enfin de la vente définitive signée, et l'origine de propriété. Donc super important là, histoire d'envoyer ça au bon destinataire. Ici, c'est pour le département de Riga. Et ici, c'est pour les raisons différentes. Volet. Yeah. Done. Of course, when you invest in a new country, in a new environment, be helped by professionals. That's all I have to say. Thank you so much. Yeah. It's been really fun and first one of many. Yeah, probably. On est en direction d'un restaurant japonais pour rencontrer un de mes agents. On va parler rénovation, aménagement. On va négocier, on va passer un bon moment et voir comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un partenariat gagnant-gagnant. Allez, je te montre des petites images du resto. Allez, on est de retour à l'hôtel. Un rendez-vous incroyable. Diana qui va s'occuper de l'aménagement. Adrian qui va s'occuper de la rénovation. Et le tout dans une formule de package clé en main. Tu auras accès à ça, hein, en faisant partie des clients élites ou bien des clients héritage. Ça promet, c'est le premier d'une longue série. Et regarde ça, hein, par rapport au trade dont je t'ai parlé, j'ai mis un take profit. Donc j'ai enregistré un ordre de vente à partir du moment où le prix du Bitcoin atteignait les 39 500. Et je te montre ça sur l'écran, c'est un juteux profit de 1005. Les amis, c'est la fin de ce week-end prolongé. Tout s'est passé comme prévu, signature, partenariat, bon moment avec ma femme, hôtel excellent. Et on récupère un nouveau commentaire positif sur Airbnb. Donc ça, c'est vraiment top. 20 commentaires positifs par rapport à notre appartement en Estonie. Je te montre ça.
Si cette vidéo t'a inspiré et que t'as pour intention de sécuriser une partie de ton patrimoine à l'étranger pour développer différentes sources de revenus et gagner davantage de rentabilité, profiter d'un cadre de vie sympa, eh bien je t'invite à rejoindre l'un de nos programmes en description ci-dessous naturellement. Avant l'augmentation des prix, lâche-moi un like, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a plus plu ? Est-ce que c'est la partie investissement immobilier ? Est-ce que c'est la partie crypto-actif ? Est-ce que c'est le court terme, le long terme, l'Estonie ou bien la Lettonie ? Je lis personnellement, moi, tous les commentaires et j'y répondrai personnellement. Je te remercie pour avoir visionné cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous d'un exemplaire de ce livre bleu, Opération Silicon Valley UE. J'y ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.